Bonjour. Je marche sur l'eau. Bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, c'est mardi. Il pleut tout le temps. Samedi, c'était le déluge. Mon jardin flotte encore. Mais bon, hier, il a plus moyen. Aujourd'hui, ça se maintient. Comme je bosse pas, ben vélo. Donc Forêt de Sénart, le parcours numéro 3, je crois. Un parcours officiel qu'on peut trouver sur le site de la Fédération des Forêts, je sais pas trop quoi. Je vous mettrai le lien en description. Donc ben on va tester, hein, en partant de chez moi, évidemment. Donc moi, ça me fera 49, mais normalement, il fait 35, je crois, un truc dans ce genre-là. Je vous mettrai le lien, de toute façon. Et ben, sans plus attendre, c'est parti. Here we go! Bon, on peut pas... On va plus vite, on va. Où est-ce que je m'emmène, moi? Ah, c'est un peu plus large. Comment je flippe de finir dans la selle là. C'est tellement glissant. Il y a une couche de feuilles de 1 cm humide qui t'envoie zipper sur le sens de la pente. Et là, la pente, elle m'emmène direct dans la Seine. C'est complètement débile. Voilà. J'ai l'arrière qui dandine là. C'est complètement n'importe quoi. Oh bah, une côte là-dedans, c'est même pas la peine. J'ai peut-être été optimiste sur la quantité de kilomètres là. J'ai un rendez-vous à 13h20. Faut que je sois rentré quand même. Ouah. Alors, est-ce que ça va grimper? Ah, limite, hein. Limite de l'adhérence, vraiment là. Belle couleur d'un coin. On n'avance pas, mais c'est joli. Et le vélo, il va être pourri. Ouah. Oh là là. Bah, sérieux là, je sais pas si ça va grimper là. Non. En plus, ça glisse à pied. Ah, voilà, les flaques. Les flaques, des flaques, des flaques. Ça y est, je suis en Forêt de Sénart. Donc là, on attaque le vrai parcours trempé. Il ne faudra pas s'attendre à ce que ça passe par les chemins avec les petites bosses et tout, parce que c'est un chemin officiel celui-là. Et donc, les chemins officiels, ils passent par les sentiers comme ça, j'imagine. Et puis, les trucs un peu plus praticables. En tout cas, il y a des cailloux si vous aimez ça. Il y a des racines. Et puis là aujourd'hui, je sais pas si vous verrez le vélo, mais il est pourri. Bon allez, on repart. Ouah, voilà, c'est que ça. Voilà. Des racines, des branches, de la flotte. Tout est complètement détrempé. En même temps, je vous dis, mon jardin, ça fait 3 jours qu'il nage. Ah, bah, le parcours du coup, il fait passer par les coins touristiques. Donc là, c'est le fameux... arbre centenaire ou millénaire ou je sais plus quoi. En tout cas, il est très 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 vieux. En plus, avec ces 12 degrés là, c'est vraiment trop chaud. Mais il y a des petites souches pour s'amuser. Ouah. Ah bah là, il y a au moins y a des cailloux. Au moins, c'est pas trop grand. Par contre, faut que j'aie une petite patte ici, hein. Parce que sinon, ça va être un peu raide. Hein. Oh. Mon Dave, ça vaut pas la forêt de chaud. Mais. Oh. Avoue que là, ça commence à devenir un peu goré bike, là. Hein. Et pourtant, je suis sur des sentiers en théorie praticables. Donc bravo à toi pour tes expéditions en tout cas, parce que franchement t'es motivé. Alors ça c'est l'entrée du sentier, ça promet déjà pour la suite. Ouah, c'est profond. Alors
Où est-ce qu'on va pas se noyer? Bon, je m'attendais à être mouillé, mais là, c'est vraiment bien pire que ce que je croyais. Et encore, il pleut pas. Bon, je triche un peu. Je profite de cette petite part sur bitume parce que là, je vois le temps filer. Je me dis, j'arriverai jamais à l'heure pour mon rendez-vous ce midi. C'est profond ou c'est pas profond? Ça va. C'est pas profond. J'espère que vous me pardonnerez ce petit interlude de pédalant. Mais là, vraiment, il faut que j'arrive à l'heure. Ouf! Petite racine qui glisse, planquée sous les feuilles. Ça roule ça dedans? Ouais, ça roule. Bah voilà, c'est comme ça partout. C'est pour ça que j'ai coupé un peu. Parce que là, c'est carnage. Et là, donc c'est même pas une histoire de boue, c'est on roule dans l'eau. Ce sera peut-être le titre de la vidéo, ça. On roule pas dans la boue, on roule dans l'eau. Vous me direz ce que vous en pensez. Enfin, je verrai ça dans les clics de toute façon. Oh! On va passer plutôt là. Ouais, mais pas le pied. Oh, c'est un bourbier constant. J'ai de nouveau hors track, mais là, cette fois-ci, pas eu le choix. Les fossés sont complètement gorgés d'eau, ça déborde de partout. C'est comme ça depuis tout à l'heure. J'ai pas spécialement les pneus adaptés pour ce genre de situation non plus, je l'avoue. Voilà, c'est que ça. C'est que ça, que ça. Non, c'est profond. C'est dantesque cette sortie. Oh là 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 là. Oh, je suis en train de mettre 10 heures à ma transmission là. Voilà, c'est en fait même les sentiers comme ça. Ouah. Tout est sujet à se ramasser. C'est complètement gorgé d'eau. Voilà, regardez. Et là, faut pas poser le pied. Oh, le vélo qui dandine dans tous les sens. Le disque de frein, il en peut plus. Bon, je crois que je vais essayer de recouper parce que là, c'est de pire en pire. Je m'en voudrais pas. Je pense qu'il y a assez d'images pour vous montrer. Ouais, c'était voilà le carnage. Ils sont oubliés, ils sont passés. Ils ont tout retourné. Oh, mais pas le pied, mais pas le pied. Je sais même pas comment j'ai fait pour tenir là. Bon, je vous fais un petit point sur la situation. Je sais pas si vous verrez le vélo, même moi, complètement boueux. Donc l'idée là c'est d'avancer. Et donc ben voilà, un petit peu de bitume. Parce que là, sinon, mon rendez-vous, hein, je vous répète ça, mais ça va être pas possible quoi. Je vous embête pas plus, on avance. Alors, normalement elle était ici à fond la caisse. Mais là, avec les cailloux qui glissent, on va y aller. Tranquillou. Bon, on va descendre quand même. Hein. Bah, c'est la montée que j'ai pas réussi à faire tout à l'heure. En descendant, c'est plus rigolo. C'est vraiment joli ce coin. Il y a encore des feuilles jaunes. Oh.
Bon ben voilà, ça y est, on est enfin sorti de cette galère. Bon, je vous ai coupé la partie bitume, donc parce que j'ai un peu coupé, hein, comme je vous disais. 45 km donc, au final. Bah 17 de moyenne, mais bon, la moyenne étant pourrie, la partie bitume a bien rattrapé le truc. Et alors, on dit plus, ça va pas être folichon, 257. Moi, je m'attendais pas à plus. En tout cas, c'était quand même bien rigolo. Maintenant, je vais faire un gros nettoyage du vélo. Allez, je vous souhaite un bon dimanche et à la prochaine. Salut! Des carnages!